résumé vous est présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Rapidement avec Gulacsi, ça rentre. J'allais dire Gulacsi qui ne sort pas, mais oui, il n'est pas parti. Et là, il se fait avoir avec cette reprise de la tête de Nathan Aké. De Bruyne, au centre. Ah, c'est pas mal. Oh là 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 là, mais quelle intervention loupée de Mukiele. C'est 2-0. Ce sera un assist encore au niveau. Le centre au deuxième, c'est pas mal du tout. La remise, le but, ah, oui, et ça... réduction du score. C'est une belle action, ça, de la part de Leipzig. Le centre avec la reprise, ah, ballon repoussé. Oui. Et je pense aussi que Klostermann a replié les bras. Et le pénalty est accordé. Mahrez. Hey, c'est un contre-pied parfait. Elle est superbe. Magnifique. Très très bonne frappe de la part de Riyad Mahrez pour faire 3-1 dans cette rencontre. Le centre maintenant avec le deuxième but, le voici. Réduction du score à nouveau pour Leipzig. Incroyable, incroyable, je vous ai dit. Quel laxisme défensif, hein. Mais je vous le dis depuis le début, je sens que cette équipe dans l'axe a un problème de marquage. Aké et Diaz ne sont pas à bon niveau. Attention à Grealish de nouveau. Oh, Grealish, il peut aller au bout. Il peut aller au bout. Et il y va d'ailleurs. Jack Grealish. 4-2. Voilà, quel slalom de la part de Jack Grealish. Il est heureux, l'anglais. Et franchement, on a des défenses passoires, hein, sous les yeux aujourd'hui. Là, c'est incroyable. Et les défenseurs, on sait qu'il va rentrer, mais on ne sait pas quand il va rentrer. Je pense que c'est la quatrième fois qu'il le fait depuis le début du match. Mukiele souffre. Premier match et premier but en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, tout simplement pour Jack Grealish ce soir. Mukiele, Poulsen. Oh, pas mal joué. Nkunku, le triplé. Oui, le triplé de Christopher Nkunku. Mais quel début de saison en Ligue des Champions pour lui. Ah, c'est incroyable. Encore une fois, vous avez vu cette infiltration dans l'axe, c'est quand même surprenant. Hein. Vraiment, d'un côté comme de l'autre, les défenses, c'est pas un des défenses de Champions League. Nouvelle frappe, Cancelo. Oh, mais quelle est belle celle-là! Et après ces deux passes sublimes, il fallait bien qu'il réussisse quelque chose. Ah, il le mérite parce qu'il a fait un... Sur son flanc, il a été décisif souvent. Il a donné des caviars. Mais là, c'est pas un caviar, c'est une bombe. Ah ouais, il s'est dit, les passes, ça ne va pas. Je vais la tenter moi-même. Voilà. Je vais la tenter moi-même. Mais comment est-ce qu'on relâche d'un côté comme de l'autre autant pour laisser autant de liberté à un frappeur? Oh oui, ça... Et attention là, parce qu'il en a déjà une. Ah ben alors il est dehors. Il est à la poche. Double jaune. Ouais, il est dehors. Double jaune pour Angelinho, l'ancien de City, qui va finir sa soirée au vestiaire. Ridicule, hein, c'est une stupide faute vraiment. Foden.
Au deuxième. Oh, la reprise. C'est contré, ça va être but. Ruben Dias. C'est au fond finalement. C'est Gabriel Jesus qui était là. Ah, ça va lui faire 6-3. Du bien. C'est incroyable ce joueur, c'est mérité parce que je le trouve très talentueux, mais il n'a plus beaucoup de chance à évoluer dans cette équipe. Énormément de concurrence. Et là, il faut se battre pour aller la chercher, cette place de titulaire. Et donc là, il vient de rentrer et il met ce petit but. Ouais, c'est important. 17e but en Ligue des Champions pour Gabriel Jesus. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Hotel.com, sponsor officiel de l'UEFA Champions League.